Wesh les frérots, c'est Frisk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo Lego. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en a pas fait, et la dernière vous avez grave plu. La dernière c'est quand on avait fait le fameux gant de l'infinité. Donc aujourd'hui on va faire un petit Lego, mais un Lego assez spécial, c'est un Lego Ideas. Les Lego Ideas, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo ce que c'est. Mais d'abord une petite parenthèse, comme d'habitude les frérots, pensez à partager, liker, commenter cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, explosez-moi le bouton like. Et sur ce, c'est parti pour l'unboxing. Bah bon, c'est parti, voici le Lego qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Il est magnifique, c'est un bateau dans une bouteille, il est franchement oufissime. Et du coup on voit bien, c'est un Lego Ideas. Les Lego Ideas en fait c'est quoi? C'est des gens de la communauté en fait qui partagent des idées de Lego. Et puis si cette idée récolte 10 000 ou 15 000 votes, les mecs, Lego produit ton truc, il fait la boîte et tout, et puis tu touches 1% sur le béné. Donc là la personne a dû toucher un sacré pactole. Par contre il n'y a pas écrit le nombre de pièces et je flippe à mort. Déjà le dernier là, j'ai morflé de ouf. Franchement c'était trop long, ça m'a pris 4 ou 5 heures quoi. Et là il n'y a même pas écrit le nombre de pièces. J'espère que 92 000 177, c'est pas le nombre de pièces. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir, hein, on va voir la surprise. Si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo sur le montage du gant de l'infinité. Oh putain, déjà il y a 4 sacs. Oh là, c'est la première fois que je vois que Lego fout des pièces comme ça en vrac dans le sac. Le fameux book, les frères, il y a 1 milliard d'instructions, ça s'arrête où? 166 étapes. T'as la personne du coup qui a fabriqué ce Lego là, qui a imaginé ce Lego là, t'as un petit brief sur lui. La partie 1 c'est pour fabriquer le bateau, la partie 2 c'est pour mettre la bouteille dans le bateau, et puis après la partie 4 c'est juste pour faire le socle. En fait il a pas l'air si compliqué. Il va être tellement BG dans mon décor celui-là. Et je suis debout. J'espère que j'en ai pas pour 5 heures. Comme la dernière fois, on va pas se faire niquer. En fait ils vont bien nous laisser des pièces en plus. C'est comme Ikea en fait, ils vous laissent des pièces au cas où si vous vous foirez. Vous avez déjà fait des Lego vous les frérots? Ah ouais, ça m'avait pas manqué ça. Le fait d'enlever des pièces là où tu te niques tes ongles, et ceux qui disent que la solution pour pas avoir à se niquer les ongles, c'est de bien faire du premier coup, je les défonce aussi. J'ai l'impression que je vais finir dans 10 minutes, mais je suis pas prêt les frères. Je suis pas prêt pour ça, regardez-moi ce que j'ai fait. J'ai fait une chenille, bravo, super, super Frisk. Il nous a fait une chenille le champion. Pareil dans le Lego du gant de l'infinité, mais en fait tu fais des trucs avec plein de couleurs différentes, etc. Mais au final tu te rends compte, mais ça va pas se voir en fait. Tu rajoutes tellement de couches par-dessus que tu le vois pas. Après j'imagine que c'est pour que ça soit plus facile pour nous à monter. Hein. Est-ce que vous trouvez que ça... ça ressemble à ça. Ouais, je sais pas. Le doute m'habite. Ah, j'y crois pas. Le frère, il se tape 1% du Lego, quoi. Ça vend partout dans le monde. Le mec, il doit être millionnaire, je pense. C'est parti. Et je suis debout. J'espère que j'en ai pas pour 5 heures. 70% c'est de trouver les pièces, t'as 10% de montage. 20% c'est de réparer les conneries que t'as faites juste avant. Putain, celui-là il est trop cool. Franchement celui-là je m'amuse vraiment beaucoup plus qu'à faire celui-là quoi. Parce que enfin tu sais, tu vois tout de suite le résultat. Pendant 2-3 heures tu sais pas du tout ce que t'es en train de fabriquer, tu vois. Ah, ça me donne trop envie de jouer à Sea of Thieves. Cette petite grille, c'est quand tu mets des gens en prison. D'ailleurs s'il y a des joueurs de Sea of Thieves les gars dans la communauté, inscrivez-vous sur le Discord, il y a le lien en description. Je sais toujours pas il y a combien de pièces. Faut que je me donne une idée de savoir si j'ai progressé ou si c'est juste qu'il y a pas beaucoup de pièces. Bon, lui je sais pas où il sert. Si seulement c'était une pièce pour retirer les pièces de Lego. Après, t'es tellement fier de toi, frère. Celui-là, je l'ai montré à 1 milliard de personnes. En vrai, ça, je devrais le faire en live. Ce serait cool. Ils ont pensé à toucher les Lego. C'est trop fort. Sauf aux connards comme moi qui niquent des pièces, putain. Ah, c'est la piraterie, frérot. L'âge d'or de la piraterie. Chut, regardez. Voilà le bateau. On a fini le bateau, les frères. 68, les gars. Il faut que c'est la moitié. Bon, on a terminé le bateau. Mais ça, c'est quoi? On va passer à cette étape. Fabriquer... la bouteille, visiblement. Le cœur de la bouteille. Le sac numéro 2. Oh putain, mais c'est ouf les mecs, mes yeux, ils sont PLS. Je comprends pourquoi ils mettent des couleurs, hein. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je me moquais du fait qu'il y ait 20 000 couleurs, mais au final, t'en vois qu'une. Mais là, quand c'est transparent, mec, mon cerveau, là, il est en PLS. J'espère qu'ils nous ont fait un truc simple. Après là, mon cerveau, je te jure, il est en train de fondre, là. Et j'ai fait le petit bout... Non, vas-y, celui-là, je vais pas le mélanger. Celui-là, il n'y a que des mini-pièces et des pièces de 1, frère. Je pense que c'est là que la complexité arrive, parce que jusque-là, c'était vraiment une partie de plaisir. Enfin, je suis sûr, je suis en train de rendre fou les pro-players de Lego, quoi. Mais non, mec, c'est pas comme ça qu'on fait. Gna, 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 gna. T'es les mecs, hein, je fais ce que je peux, ok. Ah, ils nous ont fait encore un truc à l'échelle 1-1. À l'échelle 1-1, en fait, tu poses ton truc par-dessus et tu sais si ça a fait de la merde ou pas. Bah voilà, j'étais bon, en fait. Les petits bâtards. J'adore quand t'arrives sur la page et que tu te manges un petit x2, t'as vraiment l'impression de jouer au Uno. Couche la bouteille
et on fout le bateau là-dedans. Voilà, il est clipsé. Et voilà le petit bout. Ah putain, ça va être un... il va être petit, ça va être trop cool. C'est une main qui balance des trucs. Allez, avec plaisir, hein, là, si c'est ça. Putain, je vais vous le faire, moi. Votre Lego. Ah. Ils ont dit 284. Comme ça, mais ouais, c'est ça, je vais compter les pièces, ouais. Vraiment très très stylé. Hein. Putain, il est... Ah, ça tourne en plus, regardez. J'ai créé une poussole. Oh, il est vraiment insane celui-là. Est-ce que ça serait pas le morceau final? Attendez, que bah, laissez-moi mettre le bateau quand même. Ah là, qu'est-ce qu'il y a les frérots? C'est terminé. Wouhou! Je suis trop fier de moi les gars. Il était vachement, vachement cool à faire celui-là. Bon bah cette pièce, on sait toujours pas. Hein. On saura pas, si vous avez l'info, dites-moi à quoi ça sert. J'espère vraiment que c'est pour enlever les pièces que t'as mal enclenchées. Ils l'ont fabriqué juste pour moi. On l'a enfin terminé. Oh, j'y crois pas. Et il est tellement beau avec toute l'eau à l'intérieur là. C'est trop bien fait. Les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pu découvrir un nouveau Lego, c'était grave grave cool à faire et j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Merci à tous, pensez à vous abonner, éclatez-moi ce bouton like et partagez cette vidéo un maximum. Sur ce, je vous laisse, ciao à tous, c'était Frisk.